Bonjour tout le monde, ici Jake pour Ivasound Studio. On va poursuivre l'aventure New Pokémon Snap, on va prendre des photos de Pokémon dans leur environnement naturel et on va aller dans une zone que je sais que je vais adorer parce que dans tous les jeux, c'est la zone que j'aime explorer, j'aime passer du temps. Non, c'est pas vrai, je la déteste. C'est le sous-marin. Je déteste les niveaux sous-marins. J'ai horreur des niveaux sous-marins. Du coup, j'espère qu'il n'y aura pas l'effet un peu... Bon, vous m'avez compris. Je déteste les niveaux sous-marins. Quelle horreur! C'est vraiment... C'est affreux. Bon, qu'est-ce qui s'est passé depuis l'autre fois? Rien, parce qu'en fait, j'ai pas fait de off. J'ai absolument pas fait de off cette fois. Donc, ben, on y va, tout simplement. J'ai rien à... Je peux pas vous expliquer. Il n'y a pas eu de off, du tout. Il y a eu d'autres choses que Pokémon, mais il n'y a pas eu de off. Dommage, il n'y a pas de Muren dans les Pokémon. Ah, par rapport à sous l'océan. C'est vrai qu'il n'y a pas de Pokémon Muren. Pourtant, ça serait un super Pokémon. Faudrait lui donner un nom. Bon, on part dans les fonds marins de Lantis. Voir si on peut récolter des lentilles sous-marines. Je sais que ça existe. Je sais que ça existe. J'en ai pas en tête et non, c'est horrible une Muren. Non, non, objectivement, c'est horrible une Muren. Ça, clairement, je... Oui, oui, tout à fait. Mais avoir un Pokémon Muren, parce que des Pokémon sous-marins, il y en a quand même pas mal. Mais Muren, il n'y en a pas. Ou alors, j'ai des générations de retard et je suis pas au courant, mais il n'y en a pas. Bon, alors, qu'est-ce qu'on... Oh, bah, de suite, le premier Magikarp, on réfléchit pas. Oh, magnifique Magikarp. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas les orbes là-dedans. Oh, mon Dieu, l'effet des pommes. Mais c'est nul. On va prendre le Magikarp en gros plan. Voilà, Magikarp. Magnifique. Magnifique Magikarp. Vas-y, bouge comme ça, Magikarp. C'est sexy. Vas-y, oui. Oh là là, quelle horreur. Toi, alors, il y a des écaillons. On doit y en avoir ailleurs. Oh, qu'est-ce que c'est? Love Disc. C'est moche. Très moche. Toi. Voilà. Est-ce que les Love Disc diffusent de la musique d'amour? Attendez, à droite, à gauche, là ici. Les caillons. Des Pokémon sont cachés parmi les algues, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Luminéon, je ne connais pas. Vous entendez le son? Oui, du jeu normalement vous l'entendez. Est-ce que Milobélus peut être considéré comme une Muren? Je vois pas lequel c'est celui-là. Milobélus. Voilà. Mais les pommes, elles sont... Ouais, bon, en même temps, on est dans le sous-marin, quoi. Une fleur de cristal là-bas, je la vois pas. Elle est illuminée. Il est mort? Mon Dieu, il est... Il est... Au secours. Attendez, la fleur, je la vois pas par contre, elle est là. Je veux prendre la fleur en photo en fait. Mais pas l'illuminer, on parle. Genre un espèce de serpent d'eau, mais très très joli. Qu'est-ce que c'est? Walmer? C'est pas plus grand Walmer normalement? Ah, mais là, il est de dos. Sharknado. Et plouf. Ah mais il y a plein de requins en fait. C'est un gang de requins, lol. Là, il y a un truc au fond là-bas. Clairement, il y a de la place pour un grand Pokémon, je pense. C'est un Barpo qui doit avoir sa stat de Botomax pour être Milobélus. Mais c'était en génération 3. Je sais même pas comment il évolue maintenant. Peut-être avec le bonheur. Oh, c'est vrai qu'il y avait ça, ouais. Oh, il est trop cool, lui. Peut-être que je spam moins maintenant.
y a un bruit bizarre hein, de Pokémon. Oh! Il y a des tentacruels. Mais là-bas, il y avait quelque chose, là. À mon avis, ça doit être un passage, une route 2. Alors, tentacruel. T'es pas en face, là, tentacruel. Ah, touché. D'accord. Il a un nez, on dirait Carlo Tentacule, quoi. Oh, une fleur. Bon, je vais pas tous les prendre en photo, hein. Les tentacruels. On vient de les prendre pas mal en photo. Oh, des raies. Elles sont trop belles, les démenteurs. C'est déjà fini? Oh. Depuis la cinquième génération, l'évolution a lieu après un échange entonnant l'objet Belle Écaille. D'accord. Alors, Magikorp. Bon ben, qu'est-ce qu'il peut remplacer du 3832? Sachant qu'il était en animation, il est en plein saut, avec une belle éclaboussure. La 14, la 13, la 13 est plus centrée, la 11 peut-être, la 13 est plus centrée, la 11 est plus en gros plan. La 11 ou la 13. Mettre la 13, elle est plus centrée, mais bon. Love Disc. La 3 et Caillon. J'ai envie de dire aucune. Luminéon. Ah, j'ai du 1 et du 2. C'est sérieux. Il y a 12 photos Luminéon qui sont pas mal. Et en 2. Prendre une de celles-là plutôt. Celle-là est plus centrée. Welmer. La 6. Bah, justement, la 6 c'est pas mal. Ah, la 2. La 6. La 2. La 6. La 6 est plus centrée. Sharpedo. Bah, j'en ai qu'une. Quillfish. J'ai du 1. Et du 3. Je vais partir sur. La 7. Ou la 10. La 7. Tentacruel. La 5. Bah, la 5 en fait. Démenta. La 2. Et la fleur de cristal. Bah, aucune pour le moment. Ah, bah, Magikarp est mieux, tiens. D'accord. Love Disc. Elle est sympa cette photo. En vrai. Elle est même bien notée. D'accord. Je pensais que la photo du requin était cool, mais en fait non. Bah tant pis. Ça là est bien. Ah, quand même, voilà. Tentacruel. Ok, d'accord. Ça va. C'est pas un énorme score en vrai, hein, au total, je pense. Oh, que 35 000. Oh, ça va en fait. 33 000 pour 35 000, en vrai, franchement, ça va. Hein. J'y retourne une fois, c'est bon, je passe le niveau 1, direct. Et il y a des nouvelles missions, du coup on fait un coucou à la base, parce qu'on n'y est pas passé. À peine arrivé, on est parti. Donc on va aller jeter un oeil au professeur et à Rita.
Et Todd. Rita, Todd. Et comment il s'appelle l'insupportable? Attendez, j'ai oublié son nom. Rita, Todd et... Phil. Voilà, il s'appelle Phil. Alors, l'émission... Gonflé comme un ballon. Je voulais photographier un quillfish tout gonflé. Mais je viens de le faire. Allez. Exploration. Et on retourne au fond marin de l'Antarctique. Fond marin qui d'ailleurs qui... n'aura pas de jour-nuit, c'est juste fond marin tout court, comme pour le volcan. Et chose qu'on a vu lundi, c'est que là il y a plage jour, ce qui veut dire que par la suite il y aura bien plage nuit. Pareillement, pour le récif, on a vu récif jour, donc il y aura bien par la suite récif nuit. Parce que là, vous voyez le volcan, c'était... lundi soir, il y a volcan tout court, il n'y a pas jour nuit, c'est volcan tout court. Et pareil pour les fonds marins, du coup, c'est fonds marins tout court, il n'y a pas de jour nuit. Donc plus tard, il faudra bien retourner à la plage et au récif. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas enchaîné avec la nuit à la plage au récif. J'y corps. Ouais, Magikarp, il s'en bat un peu les steaks, hein. Il fait sa vie. Alors il y a quelque chose sur la gauche, on l'a vu tout à l'heure, mais on l'a complètement raté. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Un rocher bouche l'entrée de sa grotte. Ça va peut-être être un truc à péter ça. Ok. Les écaillons, en fait, ils vont être durs à voir dans les différents types de photos. Et lui, il est là-bas, mais il veut pas se réveiller. Réveille-toi. Oui, c'est bien, réveille-toi. Oh, il a fait oh. Oui, comme ça, j'ai la fleur. Voilà, c'est bon. J'allais rater la fleur, mais c'est pas grave, je l'ai quand même. Oh, il y a un... Oui, le poulpe, mais tout à l'heure, on l'avait raté. Walmir. Est-ce que si je lance une pomme de haut, comme ça, ça fait quelque chose? Oh! Ça, je pense que ça fera une très belle photo. La musique n'a pas l'air d'agir sur quoi que ce soit dans les fonds marins. Il n'y a pas quelque chose là? Si, là il y a forcément quelque chose. Là il y a de la lumière en haut. Voilà, comme ça il a sa photo de mission. Il est content. Ouais, j'y pense.
Là aussi, il peut y avoir quelque chose là-bas. Il y a des bruits bizarres. Je pense pas que ce soit les tentacules qui fassent ce bruit là. Oh, c'est quoi ça? Un tentacule. Ah, oh, il danse. Pas censé, mais c'est pas grave. J'avais déjà de très très belles photos de d'Erich. Ah, la fin est là, d'accord. Okay. J'avais pas vu l'arrivée tout à l'heure. Je peux pas répondre au téléphone. Welmer, en 2 et en 3. En 2 c'est quand je vais lancer la pomme et en 3 c'est sur le cri. Sharp Kedou. Pas simple. Mais lui, il voulait la mission, le bonhomme. Valider la mission, plutôt. Tentacruel en 3. Et la fleur. La fleur brille, là ? Oh. Bizarre ça quand même. Yes. Et on passe le niveau. Il manquera 56 000 quand même, hein. 56 000. C'est beaucoup, 56 000. Hein. En vrai, je vais pas croiser tant de nouveaux Pokémon que ça. Oh! J'aurais une annonce à faire. C'est une bonne nouvelle, ok. On va pouvoir mettre des orbes dans les fonds marins. Enfin! Et donc mieux s'améliorer sur la plage et le récif par la suite.
Ah, voilà, les orbes lumina de Copadia. N'oublie pas d'aller à nouveau explorer la plage et la surface des flots avec les orbes en poche. Donc on va il va bien falloir y retourner. Nouvelle mission. Si c'est bon, je vois, c'est au... Ok, d'accord. Mais lui, je me souviens pas avoir réussi à le faire, à l'avoir de face. Wellord est énorme, mais paraît qu'il fait quand même des pirouettes avec son corps. Alors je l'ai vu se balancer un peu, je l'ai pas vu se retourner. Le trèfle à quatre feuilles. Je vais prendre une super photo de Love Disc, je te donne un indice, essaie de guetter le moment parfait. Merci. Merci. Allez, on retourne au fond marin. On va pouvoir lancer des orbes. Équipant sous l'eau. Ah. C'était rigolo ça. Ok. Magikarp il réagit toujours pas quand même. C'est pas grave. Allez Béquipant. On peut aller? Non? J'y arrive pas. Bon, c'est pas grave. Ah là, il y a quelque chose là. Ou pas? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Basilis. D'accord. C'est étrange comme Pokémon ça. D'accord, ok. Où est la fleur? Je la vois pas. Là-bas. J'ai plusieurs types de photos différentes pour le Vasilis. Mais il fout quoi sous l'eau? C'est un roche plante. Ah bon? Y a pas les requins? Oh! Voilà, il a grandi. Ouf. C'est quoi ça? Gamblast? C'est une crevette? Accompagné ou c'est Gamblast et
Il y a deux Pokémon là, on est d'accord. Non? Ça n'est qu'un seul? Choqué. Oh, il y a un angle spécifique pour les lobby disques, c'est ça. Magikarp, lobby disque. Mais on est sur la fin. Elle est ré. Ah, raté. Vous voulez savoir comment elle rêve. Raté. C'est pas des photos qui valent mieux. Bah... Ok, tant pis. Pareil pour Écaillon. Magikarp. 1, 2 et 3. Eh ben il y a l'embarras du choix. On va partir sur 3, il y en a moins. Luminéon. Belle-mère en deux. Quillfish en un. Attendez. Non. Je pensais que ça allait améliorer de beaucoup le score, mais en fait pas du tout. Blast en 1 et en 2. En 1, il y en a beaucoup. Et en 2, pourquoi? Il y a que celle-là en 2. Je vais mettre celle-là. Love Disc. Celle-là. Tentacruel en 2. Celle-là, il est un peu plus tourné vers la caméra. Ouais, score, mon dieu, quel score nul. Je sais pas pourquoi je continue à prendre des Magikarp en photo en fait. Est moins bonne. D'accord. C'est pas des... C'était pas ouf là le tirage. Quand même. Allez, niveau suivant dans 34 000. Vous avez enregistré 10 Pokémon de type roche. Ok. Nouvelle mission. Bon, on va jeter un oeil à la mission, hein. Écoute, tant qu'à faire. Yoroshiku ne.
Comme là, c'est trop stylé quand il tire de l'eau avec sa pince. Ah ouais, donc c'est bien un seul et même Pokémon. Des fois, il envoie même des obus. D'accord, ok. T'as vu, elle est mignonne, ma photo. Il paraît que ce Pokémon allonge parfois le cou et se met à danser. Ok, donc peut-être de la musique sur... comment il s'appelle ? Bassis... On va voir, on va jeter un oeil. Toi, oui ! Ah, raté. Une belle photo de l'équipement. Ah voilà, ça c'est une belle photo ça. Oh, il a la suspouille lui. Oh, je l'ai raté. Ah, mais il a cassé le... Il a cassé le passage. Le rocher a été cassé, la voie est libre. Ah bah oui, oui, go. On y va direct ? Ah bah oui. Bien sûr. Cette lumière est sublime. Oh. Loupio. Des Loupio. Il y a beaucoup de plancton. Oh, du plancton! La fleur, je l'ai ratée, purée. Je l'ai vue trop tard. Wellord. Non, si, Wellmer plutôt. Ah, le poulpe, je l'ai raté. D'accord, on retombe là. Fleur. Qu'est-ce que c'est que ça? Viscuse. C'est comme ça qu'il fait ces bruits. Il y a plein de raies là. On va où exactement? Je comprends pas mon trajet en fait. On continue à descendre. Il reste que 8 photos, doucement. C'est un Pokémon ça. Ça c'est un Pokémon ça. Mais lequel? Faut qu'il perd là. On voit pas grand chose hein.
Là, il y a lui. Vasilis. Il veut pas danser. Quoi qui a brillé. Vite. Ça. Cette cruche ensevelie. Ok. Ça c'est quoi? Sarmuraï. J'ai plus de photos. L'inscription est gravée, mais elle est trop abîmée pour être lisible. Ah, dommage pour lui. Ce carnivore des mers antiques attrape sa proie à l'aide de ses 8 tentacules, puis la dissout avec ses sucs digestifs. C'est très poétique, disons. Tu dois en effet. D'accord. Ok, ok. Bon, là, il y a des nouveaux Pokémon. Peut-être que j'ai le score suffisant. Quoique, il manquait 30 000 et quelques. Hein. Béquipant en 3. Sans conviction. Et caillou en 1 ou en 3. Plutôt le 1. La 5. Gamblast en 1 et en 3. Enfin, en 3 il n'y en a qu'une de toute façon. Love Disc. Là. Tentacruel. En 1 et en 2. Bah, ça va être ça là. Loupio en 1 et en 2. On va partir sur la 2. Wellmer. La 4. Là, il n'y en a pas beaucoup. Samurai, il n'y en a qu'une. Viscus en 1, il y en a beaucoup. Et en 2, il y en a moins. Démanta, il n'y a qu'une. Lumineon en 1 et en 2. Ouais, c'est sensiblement le même score. Soit il y a celle-là. Celle-là. Celle-là, il y a moyen de faire un truc. Coquipère, là, il y en a. Ah, d'accord. Vasilis en 1 et en 2. En 1, en 2. Bah en 2 il n'y en a qu'une. La fleur. Celle-là. Il n'y a aucune donnée. Le coquillage et l'enfort. Allez, combien? 20 000? Mon équipement, j'ai pris un bon score quand même. Ça va.
Oh le petit score. Bon là ça va. Bon, là c'était évident. Oh, il manque 8600 pour le niveau 2. Vous avez découvert un nouveau parcours. 15 Pokémon de type insecte. Et de l'eau. À propos, mes recherches ont avancé. Encore ? Oui, bien sûr, on rentre à la base. Qu'est-ce qu'il va me dire du coup ? Parce que là, j'ai pas pris. Enfin, il manque encore 8600 pour prendre le niveau. Qu'est-ce qu'il va me dire ? T'as encore fait quelque chose de spécial toi, non? Le professeur a abandonné ce qu'il faisait pour courir analyser des données que tu as envoyées. Ah ben la fleur. Alors, vous avez découvert quelque chose. C'est bien possible. Tu as aperçu des ruines au fond de l'océan, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. J'avais le pressentiment que cet endroit aurait un lien avec les Pokémon luminescents. Non. Et en jugé par cette signature énergétique que nous avons détectée, j'avais raison. Cette énergie semblait provenir d'au-delà des ruines dans les tréfonds de l'océan. Alors c'est pour ça que le capitaine Victor n'a jamais pu atteindre cet endroit il y a 100 ans. Mais contrairement à lui, nous avons le Neowan pour nous aider. Comme d'habitude, je compte sur toi. Donc il va falloir aller voir une source luminaire. Ah là là. À la recherche d'Estaros. Les nageoires abdominales de lui. Minéons sont très agiles. Il peut trouver des staros dans le sable. Je savais que les tentacules dansaient avec des viscuses en plus. D'accord. C'est drôle, l'atmosphère est différente ici, comme s'il allait se passer quelque chose. Ouais, j'ai raté cette fleur, je voulais l'attraper tout à l'heure. Pour l'attraper, la prendre en photo. Attends, il y a encore d'autres missions, j'ai pas vu. Des coques qui parlent, qui nagent. Peut-être que tu l'ignorais, mais les coqs qui parlent savent nager. Ça n'arrive pas souvent. D'accord. Ah, il y a bien une source lumineuse. Bon, bah d'abord terminer ce niveau 2. Hein. Il y a 8600. On termine le niveau 2 et après on verra ce qu'on fait. Sachant qu'il y a forcément un niveau 3. On va repasser par... j'irai trop tard. On va repasser par les fonds marins. Il va casser le rocher. Il va casser le rocher. Ce passage là il m'intrigue. Oui j'arrive.
Là-bas, la fleur elle est là-bas. C'est quoi ça? Allez. Je sais pas si c'est bon. J'ai allumé mais ça a rien fait. Ah lui il va tomber lui. Ah non il est déjà tombé. Mince. Oh mon dieu, encore une fois m'a fait peur. C'est comme ça que lui il a pas dansé là. Ça fait peur ce bruit de secours. Ah mais c'est pas le même ça, c'est un lanturne. C'est pas le même. Va faire. Ah, ah. Bon, bah au moins j'ai la photo. Mais c'est pas un Staros. Il va trouver un Staros. Il y avait une histoire de rune. Il me reste 11 photos, faut que j'aille doucement. Cette cruche ensevelie semble dater de la même époque des ruines. Ça m'aide pas plus que ça pour le moment. Je sais pas comment il arrive à voir qu'il y a quelque chose d'écrit quand même. Une fleur là-bas. Yes. Ça apporte rien de concret pour le moment. J'étais trop loin, je pense.
Là, on approche du courant plus fort. Allez, fin d'exploration. Bon, en toute logique, on passe le niveau là, 8600 d'XP à avoir. Sachant qu'il y a deux nouveaux Pokémon. Ouais, deux. Samurai en mieux aussi. 13 Pokémon photographiés. Gamblast en 1. Lupio en 1. La 8. Sarmurail. Tentacruel. Wellmer. Suffisant en 1. Démantail, il n'y en a qu'une. Lanturne, j'en ai eu qu'un. Luminéon en 3, bah il n'y en a qu'un. Coquille perle, là par contre il y en a plein, en 4. Quand il nage. Il a. Je l'ai pris uniquement quand il avait la. La coquille fermée. Non, là il est un peu ouvert. Je vais mettre ça là, je pense, hein, mais bon. La 6. Ouais, la 6. Et toi, en 1. Et la fleur. La 6. La 5. La 5. La 5 encore. Et non, il y a ça. On va prendre ça, mais par contre, j'ai pas vu de Pokémon là-bas. Hein. On va voir. Petit score, voilà, petit score. Ouais. Nice timing. Best timing. Et la mission accomplie pour lui, ça suffit. Allez, suspense. 25 000. On passe au niveau 3. Et il manque 73 000. L'exploration de la zone avance bien. Et il y a une nouvelle mission. Une nouvelle mission, mission réussie plutôt. On va vérifier ça, mais. Nouvelle mission même. Je me demande quel genre de relation entretiennent ces samouraïs. D'accord. Vers les abysses. J'ai vu un truc de fou, il y avait un viscus et un mamambo. Eh ben, tu sauras pas. D'accord. Et ce Pokémon là, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas croisé. Donc il y a encore un Pokémon à voir. Lorsque tu explorais les fonds marins, j'ai cru voir quelque chose briller des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc là, c'est la fleur que j'ai allumée au dernier moment. Que j'ai vue vraiment tout à la fin. Quelque chose qui brille des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai pris cette photo et après, il y avait des biscuits qui sont jetés sur l'ention.
D'accord. Et l'ovdisque adore se reposer dans le corail des corails. D'accord. Et ça, elle est faite. Alors en fait, il y a un chemin court et un chemin long. Le chemin court qui reste vraiment en peu de profondeur et le chemin long qui est vraiment plus en profondeur. On va voir cette histoire de fleurs sur la fin avant que j'oublie. Pour voir qu'il y a une histoire de couleur de l'arc-en-ciel. Et vu que je l'ai allumé au dernier moment, j'ai pas pu voir ce qui se passait. Donc on va essayer d'avoir un focus sur ça. On verra bien ce qui se passe. Ah bah tiens. Le passage ou pas? Yes, il y avait quelque chose derrière par contre. Ah, il y a de nouveaux Pokémon en fait. En arrière? Non. C'était derrière. Purée, non. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Un Magikarp qui se prend pour une Démanta. Très bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Il me reste déjà que 22 photos. Perdu. Ok, le sol il est là.
Oh mon dieu, je crois que je sais pas si j'ai eu la photo. Je sais pas du tout. Ah, il m'en reste 9. Oula, doucement alors. Doucement, il m'en reste que 9. Qu'est-ce que c'est? Il y a des choses là-bas au fond. La fleur. Oui, je sais, ça c'est l'amphore. Une roche scindée en deux. Ah. Où est la fleur? Là-bas. La fleur est là-bas. Allez. On va y arriver. Ah quand même. C'est Staros qui va faire l'arc-en-ciel. Non. Vite. Allez, c'est la fleur que je veux illuminer. J'aurais pas... Si, c'est bon. Ah ben non, il veut pas. Tant pis. Je peux pas avoir un truc armure là? Non, il veut pas. Si je fais là, lui. Pokémon. Alors, lui en 1 et en 2. En 2, Love Disc. Il était en train de manger. Blast en 1 et en 2. En 1, 3500. En 2, on va voir la 3500. Ah, je sais pas en fait. Tentez un là quand même. Staros en 1, 2, 3 et 4. L'embarras du choix. Alors en 1. Voilà. En 2. C'est ça. En 3. Et en 4. Je vais prendre la 4. C'est pas. C'est Piatop. Je vais prendre ça là. Lupio, il n'y a qu'une à qu'une. Sarmuraille. Bon, Magikarp, c'est juste pour le fun. Hein. Démanta. Cool. Caillon. Requin. Luminéon. 4. Lanturne. Ah, je sais pas, Lanturne. On va mettre ça là. Bispus, il y en a qu'une. Du coup, j'ai pas eu les. J'ai pas eu la baleine. Oh. J'ai pas eu cela non plus. S'ils sont là-haut, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Combien? Ah, dommage.
Est-ce que c'est un lac contre... Dans la mission, oui, il y a le compte dans la mission, parfait. En bronze? Pourquoi en bronze? Elle est bien la photo. Déçu. Pour l'instant, les scores sont pas top. Hein. Une mission accomplie au passage avec la page complète, c'est parfait. C'est pas un grand score en vrai. Hein. Ouais. Il manque 59 000. Allez, on rentre à la base, checker les missions. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Déjà, il y en a deux de validés. Pokémon aquatique faire un anneau avec des bulles. Non. Il manque 59 000, hein. On y retourne. Voir ce qu'on peut faire en score et après on jettera un œil à la source lumineuse. Il faut tourner vite, vite, faut tourner vite, 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 vite. Allez, yes, au dernier moment, mais c'est bon. Bon, ça réagit pas trop ce Pokémon. Hein. La fleur elle est là. La fleur est là-bas. Vite, vite, les valfleurs, la fleur, vite. Non, c'était la fleur. Le poulpe, trop tard.
Il réagisse pas. Ok. Alors là, si j'ai raté Wellord, c'est qu'il y a un problème. Comment j'ai pu la rater au tour d'avant? Oui, mon Staros, j'ai perdu mon Staros. Purée. J'ai complètement perdu Staros, il s'est barré. Elle est où? Là-bas. C'est trop dur à voir la fleur. Je sais pas si j'aurai un grand score là, ça, je sais pas du tout, je suis assez mitigé, vraiment. Alors toi en 1, la 7. La 7, Love Disc. Grand Blast. Retenter ça là, Lupio. On peut améliorer ça là, clairement. Ça là. Sepia top. En 3, il était à 2893, mais en 1, j'en ai aucune. Donc la question, elle est vite vue. Hein. Staros en 1 et en 3. En 1, ça là, on peut la reprendre facilement. En 3, c'est plus compliqué. Bah, ça là. Clairement. Toi en 3. Ok, elle est gratuite. Luminéon. En 1, il est à 4289. Je
On ne sait pas faire mieux. Par contre, on peut peut-être améliorer celle-là. Charpedo. En 1, 4236 et 3399. Peut-être améliorer celle-là. Lanturne. Là, ça va être la numéro 3. Viscuse. Celle-là. Waylord. Bonjour. C'est un ralenti. Walmer. Il y en a qu'une. Cookie Pearl. On a la 1 et la 4 déjà. La 4 peut être améliorée. Et la 1 aussi. Je vais prendre celle-là. Sarmuraille. Alors là, par contre, pour améliorer, peut-être voilà la dernière. Quillfish, il n'y en a qu'une. Vasilis, il n'y en a qu'une. Et là, aucune donnée. Ok. Ah, ça se joue à rien. Elles sont pas cool. Enfin, elles sont pas cool. Elles ont vraiment un petit score, les photos des Sepia Top. Hein. Oh, purée, sœur Muraille est pas passé. Zut. Ah, ça va pas être un grand score du coup. Hein. J'irai 12 000. Ok, j'ai rien dit. 22 000. Il y a encore une marge d'amélioration, ça c'est clair. Je fais 10 000 à chaque fois, ça fait 4 tries. Peut-être, à voir. On va rentrer à la base parce que on va changer de zone. Enfin, de zone, on va passer à la source Lumina. Histoire de voir ce qui s'y trame un peu. Je me demande bien quel sera le Pokémon luminescent des fonds marins. Ça sera pas un Loclass. C'est flip. Ouh, c'est une belle bête. Quoi ce truc? Forme solitaire. Le Neowan n'a rien non plus. Je pense que c'était le Pokémon luminescent. Pas le Pokémon banc de poisson, lui. Je suis envahi par des fous sardines. Je dois faire quoi? C'est luminescent rien que le nom quoi.
sont tous là-bas. Et moi, je vais où? J'ai pas bougé. Oh, une fleur. Il y a du bruit. Sardine forme de banc. D'accord. J'arrive pas à le viser. J'avance de nouveau là, c'est ça? Bonjour. Ok. Donc en gros, dès qu'il y a la fleur, c'est YOLO pour eux quoi. Va s'allumer toi. J'arrive pas à le... en fait. Gameplay sur 20. Oh, beau, magnifique. Mais j'arrive pas à l'avoir en correctement. Et j'ai déjà plus de photos, mais il faut quand même aller au bout du parcours. Mais c'est quand la fin en fait? Parce que là j'ai spammé. Hein. J'ai spammé et on a croisé que des froussardines. J'espère qu'il va pas falloir beaucoup d'XP pour passer le niveau là. S'il y a qu'un seul poisson. En espérant qu'il considère froussardine solitaire et froussardine forme de banc comme étant deux Pokémon différents. Vraiment aucun autre Pokémon? La fleur de cristal est derrière. Oh là. Ah, il y en a une en bas, je l'ai pas vu. Que je peux pas. Non, même avec le gyroscope. Demi-tour. Je voudrais accéder à la fleur. Perdu la fleur, ça y est. Tu veux des infos sur Froussardine? Ouais, pourquoi pas. Oh, ils sont nombreux là.
Même si un seul faux sardine est petit et faible en lui-même, les habitants d'Alola le craignent et le surnomment le démon des mers. C'est en réalité à cause de sa puissante forme de banque, un faux sardine peut créer quand il a danger. Il appelle ses congénères à l'aide en faisant briller ses yeux. Un signal peut se voir jusqu'à 40 km. Et ça me dit pas s'il est considéré comme étant deux Pokémon différents ou comme un seul. C'est bizarre de voir quand même qu'un seul Pokémon, quoi. On arrive à la fin. Et même avec Meganium, il y avait Evoli. Enfin, il est arrivé après. Alors, que va dire le prof? Un Pokémon photographié. Bon, j'ai ma réponse. 55 photos en 1. 11 photos en 2. Ah, il considère qu'il n'y a que ça. Ah, il prend pas les petits. Il veut pas les petits. Il veut que le grand. Et encore le grand. Tout ça, il les prendra pas. J'ai raté tant de photos que ça, mais pour moi, ça, c'est pas une photo ratée. Il veut juste ça. Wow. En fait, ça va être super dur. 55, 60, ah non, 62, 63, 64, 63, 64, 64 pour l'instant, 64 ou bien, bah, 64 juste en fait. Hein. Super dur à avoir. Donne-moi un bon score pour ça là. Bon ça va, 5 points. C'est bien, c'est plus de monde. Niveau 2. Et il faut 34 000. À propos, maintenant que nous avons un vatange de données, j'aurai une annonce à faire. On rentre à la base. Quelle annonce vient nous faire le professeur? C'est une bonne question. Pardon, je m'étirais. Nouvelle île, nouveau Pokémon luminescent. Oui, cela concorde avec ce que le capitaine Victor racontait dans le récit de ses aventures. On dirait bien qu'il y a des Pokémon luminescents sur chacune des îles principales de l'Antis. Victor semblait l'avoir compris, mais je me demande bien comment il était arrivé à cette conclusion. Très joli dessin. C'est vrai ça, il dit dans son livre qu'il n'a vu que deux Pokémon luminescents. Pourtant, certes, mais il a également écrit qu'ils sont au nombre de 4. J'en ai croisé 2. 3. J'en ai croisé 3.
Le mystère s'épaissit. Je ne te le fais pas dire, mais c'est bien ça qui rend nos recherches si fascinantes. Je ne sais pas lire. Un tourbillon d'énergie. Il y a une grande quantité d'énergie lumineuse par ici. Cela devrait te permettre d'observer des comportements inhabituels chez Froussardine. Donc en gros, balancer une orbe sur la fleur qui se cache ici. C'est tout ? On y repart alors. Ah ! Tiens, salut, comment vont nos photographes en herbe ? Vous avez eu l'occasion de tester le parcours dont je vous ai parlé la dernière fois sur la base ? Non, pas encore. Tard. Oui, c'est sympa, un peu de nouveauté. Oui, c'est toi qui l'as fait, c'est pas moi. Tant mieux, dans ce cas, que diriez-vous de le refaire en partant d'un autre endroit? Changer de parcours vous donnera l'occasion de photographier les Pokémon sous un autre angle. Notre endroit, c'est-à-dire on partirait d'où du coup? D'ici même, ça changerait non. Ah bon. Les parcours partant d'ici et du laboratoire sont différents, ça vaut le coup d'essayer. Oh. D'accord. Mais ça, on verra plus tard. On verra plus tard parce que y a le parcours de la base, il y a la forêt sylvine à faire. Mais est-ce que par hasard? Non, toujours pas d'accès à la plage de nuit. En même temps, j'ai pas fini l'XP ici. Ni récif de jour, ni niveau max, mais j'ai pas fini. Y a pas le récif de nuit encore. Pourquoi j'ai pas accès à la nuit à ces trucs-là? C'est vraiment là, je comprends pas. Je comprends pas comment y accéder. On verra plus tard. Et la forêt, on verra encore plus tard. Finir les fonds marins, déjà, ce sera pas mal. Je retourne voir la source Lumina, donc les Froussardines, en espérant croiser d'autres Pokémon, parce qu'il y a quand même pas mal d'XP à avoir. Ah bah tiens, on voit le nerf. Le truc, c'est que les Wellmer, je les ai déjà pas mal eu à d'autres endroits. Salut. Le Froussardine tout court, apparemment, le prendre en photo ne sert absolument à rien. Ah, il y a des écaillons. Allez voir la fleur. Il veut pas venir le sous sa forme Lumina là. Du coup j'ai paumé la fleur que j'avais croisée tout à l'heure. Il y a que celle-là qui reste. Ben. Je comprends pas comment activer la forme luminescente. Ah ça y est, il arrive. Non ?
pas bousiller toutes les photos sur... comme ça quand même. Allez. Pourquoi est-ce qu'ils veulent pas aller chercher, se mettre en bas? Ah, quand même. Ça commence à... J'en touche aucun, sérieux. Perdu, ça y est. C'est quand même un jeu de patience en vrai. La fin du parcours n'est plus très loin. Je l'aurais pas croisé une seule fois sous sa forme luminescente. Horrible. Tout s'est bien passé, tu as fait découverte. Ouais, bof. Alors, toi, 4002, 3000. Il y a moyen de faire mieux. Il y a aussi moyen de faire mieux ici. Et caillons. Ah non, ça compte aussi comme ça maintenant. Ah bon, ça va. Donc en deux. Peu d'XP et il en faut beaucoup trop. Ah, 13 000 quand même. Ah.
Oui, on recommence, oui. 22 000, 21 000 pour le niveau 2. Il y a moyen de faire quelque chose, oui. On va dire que le voyage, que lui c'est bon. Super, pas loin, voilà, elle est derrière. Il y en a une au fond là-bas. Il tire la gueule lui. N'avance plus. Ça n'avance plus. Hyper lent cette partie là, vraiment c'est affreux. Thank you.
non, ça réagit pas tant que ça, vraiment. Il y a écrit quand ça se sent agressé, ça se transforme vraiment dans la forme luminescence. Mais là, j'ai spammé les pommes, on est d'accord. Ils s'en foutent. Accélère. Suspense. Et non. Fin du parcours. Compliqué cette zone là vraiment. J'espère que les autres zones sera plus agréable parce que c'est pas ouf quoi. 4383. Il y a moyen de faire mieux. Ou bien 4235. On va augmenter le celui-là. Au sardine en 1. 5257. Alors le 5000, voilà, hein. On va pas faire mieux. Par contre, celui-là, oui, on peut clairement faire mieux. Avec celui-là, on va tenter celui-là. Écaillon, bon. Sans connexion et le disque. Je vais partir sur celui-là. Allez, c'est parti pour l'évaluation. Bien. 1000 de plus, ça c'est bien aussi. Bon, là c'était évident. 1800 ? C'est sévère. Et là, à part avoir les photos manquantes du frou sardine, je vois pas comment passer au prochain niveau. Je sais pas du tout. Et vu que c'était hyper long, je vais pas revenir de suite dans la source lumina. Je pense que ça sera du off. Parce que là, je sèche un peu. Oh mon dieu, ils ont changé l'angle. Ils ont changé l'angle de la base. Il y a Pikachu, il y a des petits lions. Il y a lui. C'est quoi ça? C'est un lapin. On va repartir dans les fonds marins normaux. Voir si il y a moyen d'avancer cet XP. Là, il manque 37 000. Et il y a quand même deux chemins. Donc, peut-être faire le chemin de surface. Ça fait un moment qu'on l'a pas fait là. Une heure au moins. Et on va voir ce qui peut changer là-dedans.
Il m'attaque. Tu veux manger ou pas? Je mange pas. Ah si. Voilà. Caillon, là tu as pas mal. Carapuce. Les herbes et tout là. Carapuce il mange pas. Quoi, c'est pas toi que je vais prendre en photo, c'est la fleur. Bonjour le fils, au passage. Ah! On va dire que c'est bon. Oh, il y a une grotte là-bas. Ils y vont, hein. Ça discute. Celui-là, je l'avais pas. Cool. Tout à l'heure, il y en avait deux là. Qu'est-ce que c'est? C'est pas qu'un Magikarp. C'est... Ah, je sais pas si c'est. Excuse, voilà. C'est rigolo ça. Oh non, la fleur. Hello class. Par en bas. On y part. Alors, on a du 4500 ou du 3660 à améliorer. Ça là peut être amélioré. L'op d'ici. 3877 ou 2000. Ouf, ça là. Gamblast, on a du 4086 ou du 3640. Qu'est-ce qui peut être bien? Ça là. La 1. La 12 peut-être.
La 14, je vais tenter la 14. Carapuce. Je sais pas. Je pense pas que ça fasse grand chose. Toi, bon bah ça. Vasilis. Ça non. Vasilis, ça change rien. Walmer. Soit je tente ce magnifique sourire. Soit je tente ça. Je vais mettre ça, mais je vais garder la 3. Faut que je l'enregistre avec ça. Quillfish en 4. Magikarp en 4. Je l'avais pas. Alors, la 4. Ou la 2. La 2, il est plus centré. Viscuse en 3. Donc, du coup, il n'y en a qu'une. Le classe, il n'y a que ça. Et une fleur de cristal. Ah bon, excusez-moi, une fleur de cristal. Les lobbies, ça m'a pas été bien pris en photo. Ah, bien, 500. Ah, ouais, quand même, sacrée différence. De peu, mais c'est toujours ça de prix. Ça se voit pas grand chose. Ça se voit pas grand chose, mais ça passe. Ouais, on manquera la 2. Flash complète du Magikarp, enfin. C'est pas trop tôt. Bon, l'eau classe, c'est évident. Voilà. Et on va penser à mettre l'album à jour. Je vais garder des photos là. Il y a combien ? 19 000, il manque 17 000. Mettre l'album à oui. Oui, je veux garder la dentition, ça va être cool. Alors. Dessin là. Ouais, c'est dessin là. Regarde, il n'y a pas d'autre chose. Dessin là, je veux la garder. Sauvegarder, clairement. Clairement, je vais la sauvegarder. Rentre à la base. Mais de suite sur sur l'Instagram Pokémon. Alors 112, 107, 20, 98, 26, 140. Ça, je peux pas l'enlever. Je vais enlever ça là du coup. Et on va mettre description. Est-ce que ça va passer? Ça passe. Ah, il manque une lettre. Après être passé chez le... Non, après un rendez-vous chez le dentiste. Être allé au dentiste. C'est pas très français. Après être allé au dentiste. Comment on peut le changer ça? On peut mettre des chiffres.
plutôt. Changer ça comment? C'est l'heure. Un caractère près en plus. Colgate sponsor, c'est exactement ça. Bah, elle est magnifique la photo. Attends. Elle est trop bien. Ouais, jeter un œil au classement, tiens, t'as qu'à faire. Ça fait un moment. 117 117, et en France je suis passé 3153. Cool. On retourne dans les fonds marins, on finira avec le mode en ligne tout à l'heure, mais j'en ai pas fini avec les fonds marins encore. Surtout que si un niveau supérieur encore, je pense pas. Je pense que je suis presque au niveau max, mais j'en suis pas sûr. En ce qui concerne la source Lumina, par contre, là il y a du travail. Donc, comment je peux améliorer ta photo à toi? Je sais pas. Bon, il y avait une histoire de bubule. De grandes bubules. Toi. Ah, trop tard. Non. Non. Pas de bubule. Oh, un corallon. Oh, c'est la photo qui manquait. Je les love disques avec. Voilà. Bam. Corallon, nickel. Toi, un gros plan, tant qu'à faire, c'est pas correctement. Ça fera un bon score. Donc pour celui-là, on va pas dans la grotte. Qu'est-ce que tu fais par terre? Tu veux pas une pomme? Carapuce, il réagit pas au manger ni rien. Ah, ça y est, il danse. Voilà, c'est bon. Ça fera la mission. La photo sera moins bonne, mais ça fera la mission. Touché. Ah non. Et là? Non plus. Et là? Yes. Oh, mais ça lui fait rien. Oh. Non, non, vas-y, t'étais contente et tout. Tu vas attaquer le poulpe? Non. Attention à la vitesse, supersonique. Ah non, il veut pas. Il l'a fait tout à l'heure pourtant. Améliorer la photo en 4 de lui.
Ah mais non, mais il fallait la crevette. C'est quand il a attaqué la crevette. Bon, il a pas envie. Qu'est-ce qu'ils font eux? Le pauvre. Défends-toi, Love Disc. Alors c'est pas Magikarp que je veux, mais l'autre. Le Viscuse là. Voilà, Viscuse. Des pommes sur l'île classe ou quoi? Alors non, par contre la pomme qui traverse l'océan comme ça, je suis pas totalement d'accord, c'est pas très roleplay hein. Alors est-ce qu'il y a du mieux? Là je sais pas. Love Disc en 3 chez le Corayon. Corayon en 3. Ça là. La crevette. Ouais, j'en ai pas beaucoup en fait. Peut-être la meilleure. Donc, je dirais celle-là. Ouais. Luminéon. Je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il y aurait du plus d'étoiles. Dans tous les cas ça fera pas mieux. Bon alors toi c'est quand tu danses. Donc c'est la 3. Là il réagit juste. 4130, 4000. Ok donc c'est là. C'est quand tu danses, donc je dirais la 9. La 9, ça fera la mission. Ça fera pas un super score mais au moins ça fera la mission. Le poulpe. La 3. La 3. Wellmer. Quillfish. Alors celle-là, ça va être difficile de faire mieux quand même. Donc je vais améliorer ça. Il y a du 3300 là. On peut améliorer. Ils sont de dos quand même. Hein. Ils sont de dos. Hein. Je dirais la 10 ou la 11. Après là, il a un gros plan, mais il est de dos. Là, ils sont plusieurs. Sans conviction au final. Bon, Magikarp. Viscuse. La 2. La 2. Ou la 5. La 2. La 5. La 2. Non, ce serait la 5. De plus pour toi, cool.
Lumineon, bah ouais, ça on va monter. Photo améliorée de Vassilis, d'accord. Ok. Quoi, bon, ça c'est pas mieux, attendez. Wellmer, pas grand chose. Quillfish amélioré, pas de beaucoup. Magikarp, bon bah ça, attendez. Discuse bien amélioré. La fleur. Ouais. La fleur, c'est pour le plaisir des yeux. Combien ? Et il manque 6500. Il manque 6500. On y retourne. 6500, ça peut le faire. Hein. 6500. Par contre, pour améliorer les 6500, je pense qu'il va falloir repartir là-dedans. Là. Ouais. Allez, crevette. Attaque. Oh non, il était content et tout, je l'ai raté. Ah, il est de face. Enfin, je l'ai de face. Allez, je les ai pas comme ça. Et j'ai raté la fleur d'ici. Voilà. Purée, j'y pense pas. Et là, par contre... Il y a un mur invisible là. Il y a clairement un mur invisible. Sauf pour les Pokémon. Ah, le poulpe. Magikarp qui s'est encore pris pour une des mantas. Oh, il est beau. Que j'ai peut-être une photo en 4 pour lui là. Je suis pas sûr. Il y a une ombre là. Voilà. Alors non, je voulais
je te pose en fait. Voilà, pose. Oui! Reste comme ça. Très bien, Cookie Pearl. Nickel. Ah, il y a Staros. Magnifique Staros. Il est de dos. Voilà, là j'ai spammé le Staros, on peut pas dire que je l'ai raté. Hein. Et ensuite. Il y avait les trucs en armure là. Non mais bouge dans l'autre sens, t'es de dos là du coup. Oui, en face de moi. Voilà. Il mange. Voilà. Oh toi. Toi. Oui. Allez, il me reste une photo. Normalement, le niveau passe. Oh oui, le niveau passe, oui. Oui, oui, il passe. Alors toi, la 5. Mamambo. Conviction. Pardon. Et Caillon. Ah, je l'ai pas eu quand il a les trucs bleus au final. Les nageoires bleues, mince. La crevette. 4000, 3000. J'ai avoir du mal à améliorer ça. Du coup, je vais mettre ça. Toi en 2. On réfléchit pas, il n'y en a qu'une. Loupio. Ça là. Lanturne en 2. Ça là. Walmer, il n'y en a qu'une. Démanta, il n'y en a qu'une. Luminéon. Ah non, mais j'ai confondu. Avec Luminéon, pardon. Alors attendez. Là, il y a eu 4300. 4200. Qui peut être bon. Ou du. Mais on le voit en rien, non, on met ça là. Charpedo. C'est pas celle que je pensais. Discuse, il n'y en a qu'une. 3819. Ça sera pas mieux. Waylord. Cookie Pearl en 3. La meilleure, je dirais la 12 pour le moment. La 12. La 9. La 9. La 8. La 8. Staros en 1. Que j'ai toujours pas. Et en 2. En 2, il n'y en a qu'une. Hein. En 2, il n'y en a qu'une. Mais j'ai toujours pas la 1 de Staros. Hein. On va partir sur ça. Juste par curiosité, la 3. Ah, elle est franchement. Il y a de quoi l'améliorer. Bon, Staros, ça va, c'est simple. C'est très simple à refaire. Voilà, Samurai en 2. Il y en a aucune. Ouais, pas étonnant. Oh, dommage. Pas grand chose. Pas grand chose non plus.
Oh purée, non. Allez, 2400. Il en faut quasiment 7000. Pour l'instant, il y a 2400. 5400, 5400, 5600. Il manque... Allez, c'est bon. Pas 3000 quand même sur le Staros. C'est bon, le niveau, c'est bon. Niveau max. Attention. Voilà. Je suis impressionné par ton incroyable travail. Rentre à la base. Clairement, la source du minage galère. Beaucoup. Il y a encore des choses à faire dans les fonds marins. On va y retourner une dernière fois. Comme ça, au moins, j'attrape le Staros en une étoile. Et je vais voir s'il n'y a pas des autres. Okay, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire. Il y a personne qui fait des choses intéressantes, il y a des bulles. On tourne. Il y a des choses là. C'est quoi ça? Ah, c'est des sécateurs. Bon, toi, elle est où la crevette? Elle est là. Okay. Alors, la fleur sur le côté gauche. Et eux là. Eux qui vont arriver de face. Que j'ai raté. Non, il y avait le caillou. Ah, raté. Allez. Purée. Bon, vite la fleur là. C'est pas tant que je vais essayer la fleur là-bas. Ça passe. Ah, c'est bon, elle est allumée. Il y a quoi là? À quoi sert cette fleur? Je sais pas. Alors là, j'en ai aucune idée.
Ah. Il va trop vite. Enfin, il va trop vite. C'est moi qui me rate tout. Mais... Oui. Ça fait un truc bizarre. Ok. Il y a peut-être une bonne photo sur lui. Bien, Toto. Ah, il s'en va de l'autre côté. Le Staros, mince. J'ai failli rater le Staros. Ça fera pas une super photo, mais tant pis. Allez. Quand même. Voilà. Ensuite, toi. Ah, il est de dos. Non, toi. Toi, c'est bien là. Ah, le caillou. Non. Purée. J'aurais pas pu le voir quand il était content. Toi, je sais pas ce que tu fais là. Alors, Gamblast. Ouais, ça s'améliorera pas en fait. Je vais mettre ça. Sepia top. 2500, 2400, 2800. Ouais. Ça là.
quelqu'un. Lui. Le coquillage. Star Wars en 1 que j'ai complètement raté. Oh non! Non, non, il y a du 1 là-bas. Cool. À la 12, mais par curiosité, ah, y a vraiment moyen d'améliorer ça là et même ça là. Alors on revient sur la 1 et on part sur la 12. Facilis, il fiche de loin, la fleur, sans conviction aucune. Elle m'intrigue cette fleur là-bas quand même. Hein. Vraiment, que en pense, oui, bien sûr, que en pense, oui. Qu'en pense le prof? Ok, il y a une amélioration sur lui. Ah, là aussi. Hein. Ah, dommage. Mais il est de face là. Ah, pas grand chose. Hein. Ouais, ça c'est pas étonnant. Staros, c'est bon. Après, je comprends du Staros. Amélioration de très peu. Bon là c'était pas pour l'XP, c'était juste pour avoir le Star Wars de toute façon. On rentre à la base. Pas de mission. On va faire un point sur le photodex avec cette nouvelle zone des fonds marins. Il y en a pas mal. J'aime bien la description. Ok. Petite danse joyeuse. Et le décor de celle-là est bien quand même, franchement. Là non, mais celle d'en dessous, oui. Ah, j'en ai 3 quand même. Il me manque la 2 étoiles. La 4 étoiles de lui, je pense c'est vraiment quand il lance l'obus. Alors là, pour le faire, ça va être hyper rare. Rayon en 3. 10, 1, 2, 3. Alors lui, c'est quoi ton bruit à toi? Pokémon mini poisson taille inconnue, poids inconnu. Ok. Splish, splash, splosh. Et là il manque la 3 et la 4 étoiles. Mais alors c'est de là. Ça c'est déjà un diamant.
Ça non, c'est à 5 points près, ça l'était. Donc en gros là je peux faire que plus 5. Mais là comment est-ce que je peux faire plus 4000 et plus 4000 sur ces deux là que je vois vraiment pas. Oh elle est moche cette photo. On est à jour. Ça a l'air. Au total, 351 photos pour 115 Pokémon. Donc, bah on a dépassé la moitié des Pokémon, mais en fait. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Ah ouais, quand même, tout ce que j'ai fait. D'accord. Et là, ça sera beaucoup moins. Voilà. Ouais, quasiment rien jusqu'à la fin, là. Au secours. Au secours. Et j'ai pas pris qu'une seule fleur, ça c'est pas vrai. Donc ça, c'est au niveau max, c'est fond marin. La source lumineuse, absolument pas. Et j'espère qu'il n'y a pas un niveau 3 à la source lumineuse. J'ai bien peur que si. Mais alors là, par contre, je vois pas comment elle améliore. Alors je me renseigne. La prochaine fois, on n'ira pas là. Batterie faible de la manette. Ah ben comme quoi, tout est synchro. On fait quoi demain? J'ai envie de garder du contenu. Donc demain, je pense qu'on fera la base. On restera à la base demain. Je pense que je vais faire ça. Ouais. Et la semaine prochaine, on partira dans la forêt sibylline. Sauf si la base est hyper courte, ou alors dans ce cas, je fais un petit, tout petit stream demain. On verra. Bon, jetez un oeil à l'Instagram Pokémon. Allez, mode en ligne. Ah, il y a le coin personnel à voir avant. Qu'est-ce qu'il y a? Des titres, peut-être? Oui, il y a des titres. Alors, 20 milieux sous les mers, 2 mètres des fonds marins. Non, accro à la photo, 7000 photos, photographe amateur, 100 Pokémon dans le Pokédex, le type eau, le type électrique, insecte, roche, et c'est tout. Les stickers, je m'en fiche. Je t'en ai au classement. Du coup, 2898 en France, avec un score au 1 387 116, et dans toutes les langues, je dois être à 112 315. Ah ouais, quand même. C'est bien. Et de mon profil, on va jeter un œil. Aux pommes, 112, ça n'a pas bougé, 107. 20. 3 pommes déjà pour le rendez-vous chez le dentiste. Celle-là, je l'aime pas trop, je sais pas pourquoi. Le profil de la mienne. Ah, mais je peux la retirer. Ah, je savais pas. 786 pommes reçues au total, c'est chouette. Photo des joueurs. Oh, il a un Jirachi. Oh, belle photo. Lui, ça fait un moment que j'essaie de l'avoir correctement, c'est pas facile. Non. Il y a des pommes ou pas? Bon, je t'en mets une. C'est vraiment parce que... Ah, il y en a 10. Oh, pas fou. Il s'est fait arroser pendant qu'il dormait. Recommandé pour moi.
Magikarp. Voilà, forcément, Magikarp. Hein. J'en ai dans le top aussi. D'accord, Warline. Et bonjour, Warline, du coup. T'arrives sur la fin. La bonne humeur incarnée. Eh bien, ça lance. Tiens. Ouais, Magikarp, c'est toi, je me rends compte. Passez voir ton profil. Ah, téléchargement des autres photos, attention. Bah, c'est toutes tes photos en fait. Ah non, je veux pas te retirer. Mais non, je veux pas te retirer les folies. On peut retirer des médailles pommes, sérieux? Mais c'est n'importe quoi. T'as un style très particulier quand même, Warline. On reconnaît ton style au filtre que tu mets en mode dessin. C'est super chouette. Non, j'ai pas envie de retirer les médailles. Quoi. Ah, je peux en mettre en plus. Et parce que je suis gentil, je vais donner des médailles. Quoi. Attends, il a 4300 avec cette photo là? Purée. Bon, elle est pas exceptionnelle ça. Tu peux juste retirer celle que t'as donnée. Oui, oui, je me doute, on va pas retirer celle des autres, ça c'est clair. Mais du coup, il y a une limitation de dons de pommes. Elle est bien. Ah, communication en cours, veuillez patienter, ça charge. C'est en train de ramer au possible. Ah, c'est bon. Oh, le cercle! La bulle en cercle, purée, comment il l'a fait? C'est là aussi, bravo! J'arrive pas à la voir correctement, celle-là. Bon, allez, on finit juste la page. Parce que je vais pas faire ça en photo, donc. Le online, le fameux. Ouais. Bien, celle-là. Bien centré. Je pense qu'il a voulu dire Atchoum. Elle est très drôle n'empêche ça là. Vraiment. Très très drôle. Ah le spoil. Bon c'est pas grave. Pour avoir le gros don de pomme, pour avoir le titre 1000 pommes. Oh, il y a un titre à 1000 pommes, sérieusement. Dino Time. T'as pas activé le filtre anti-spoil? Ah non, je savais même pas que c'était possible, tu vois. Ou alors, j'ai dû le voir, mais j'ai pas pu... J'ai peut-être pas plus réfléchi que ça. Après, pour certains, je m'en doutais, donc en vrai, c'est pas très très grave. Disons que j'aurais été sur un autre jeu, j'aurais plus râlé que ça. Là, on est vraiment sur un jeu détente, chill, où il n'y a pas vraiment d'histoire en vrai. Donc, bon, ici, le spoil, c'est pas très très grave. Ça aurait été un autre jeu, ça aurait été plus... Ouais, j'aurais plus râlé. Que du coup j'ai un nouveau titre maintenant. Allez, la base. Il y a un titre à 100 000 pommes reçues. Ah oui, c'est plus facile je pense d'avoir 100 000 pommes reçues que d'avoir 100 000, d'en donner 100 000. Je pense. Bon allez, sur ce, je vous retrouve demain. Oui, c'est ça, demain 14h pour la suite de Pokémon. Et je pense qu'on va faire le tour de la base.
pour photographier les Pokémon de la base. Donc il se peut que le stream de demain soit un peu plus court. Donc venez à 14h. Au pire, on papotera. Et la semaine prochaine, on attaquera la forêt sibylline et le reste. Pour l'instant, je ne sais pas quelles pourraient être les autres régions. En espérant aussi avoir accès à la plage de nuit et au récif de nuit. Pour l'instant, il n'y a pas l'accès. Donc, prenez soin de vous. Rejoignez les différents réseaux sociaux d'Iva Sound Studio. Donc, Facebook, Twitter, Instagram. Le groupe Steam, il y a un groupe Steam aussi. Suivez-nous sur Twitch pour être notifié des prochains streams, bien évidemment. Rejoignez le Discord parce que c'est là où on est quand même le plus actif. Et qu'on prépare aussi les soirées de chaque mardi en communauté avec vous, plein de jeux ensemble. D'ailleurs, le jeu de mardi soir n'est pas encore décidé, donc venez papoter pour savoir ce que vous aimerez. Voilà. Passez une bonne fin d'après-midi et je vous retrouve demain. Cordialement, bisous.